Et bonjour les amis, on se retrouve sur The Last of Us pour ce qui sera peut-être la fin ou en tout cas l'avant-dernier épisode, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de beaucoup de choses. A priori, il reste dans les 3 heures de jeu, donc peut-être un peu moins, on ne sait pas bien. Je fais les petits réglages hein, comme d'hab et on y va. C'est bon par ici, c'est bon par là. Hop, appuyons sur une touche. Donc où est-ce qu'on était? Ah oui, rappelez-vous. On va essayer de se remettre un peu. Bon, on va voir le temps pendant que ça charge. On était très très blessé. Le pauvre Joël était complètement capoute et on s'est réveillé en hiver. J'ai dû arrêter un peu rapidement là pour aller chercher une console de jeu, j'avoue. Une Master System donc, que j'ai récupérée avec ses 31 jeux. Et c'était bien cool. C'était ce que l'on appelle une bonne affaire. Donc voilà, je vais essayer de vous rappeler un peu le truc, comment ça avait commencé. On n'a pratiquement rien fait hein, de ça, mais il y avait un petit lapin qui se baladait et elle, shpung, shtung, ok. Elle l'a eu, elle l'a attrapé, elle le voilà. L'a dit, donc a priori, il va falloir que l'on chasse un peu. Bon, je suppose que c'est étudié pour qu'on ne l'attrape pas trop si facilement que ça. Je regarde un peu le paysage. Hein. Le paysage... Attendez, j'ai un petit truc que j'ai oublié de faire. Et je vais le faire tout de suite. Voilà. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. Je me suis trompé. Alors, pour vous, vous y voyez rien, mais pour moi... Ça pose un petit problème. Je me suis gouré de chaîne pour tout vous dire. Dans le... Donc voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Non. On va faire ça comme ça. Bon, j'espère qu'il ne va pas trop partir, le chevreuil. Ce serait un petit peu embêtant, quand même. Voilà, c'est bon. C'est bon. J'agrandis. Hop, ma petite fenêtre, je cale ça là. Alors, désolé pour ce petit contretemps. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'elle a les mêmes talents que son cher Joël? Oui, donc il est bien parti par là. On va pas essayer de se cogner contre un mur invisible, ce serait pas très marrant. J'ai entendu du bruit. Je pense que c'est par là. Elle a un arc assez rudimentaire hein, quand même. On va pas lui en vouloir, bien sûr. Escape. La jeune Lara Croft. Pardon. Chut. On va se le faire. Il nous a reniflé. Alors, je suppose que de toute façon, on pourra l'avoir que là où ils décideront qu'on l'ait. Voilà. Exactement. C'est pour ça que c'est un peu fake. À moins que la zone, là où ils auraient pu, la zone est une zone assez ronde et fermée, parce que j'ai l'impression qu'il repart par là en fait. Mais bon, j'ai pas l'impression d'avoir été particulièrement bruyant sur le coup. Mais c'est peut-être pour nous emmener quelque part, pour nous faire découvrir quelque chose. Là-bas. Non, on est bien. J'essaie de voir un peu la portée. Oh, mais presque. Bouge pas. Ah 60 ans. Raté. Bon, on va quand même s'avancer un peu, peut-être. Hein. Parce que, bon... Il n'y a que dans Skyrim, on arrive à faire ce genre de coup. Oh, je suis trop loin. Non, vu qu'elle retourne pas sur la droite, c'est peut-être pas une zone. Qu'est-ce que c'est ce bruit derrière moi? Là, il va pas m'entendre, on peut courir, on va passer par là. Pas. Oh, tu
tu vas me dire que tu es fatigué. Je sais pas si on peut monter, bah, par exemple là, tiens, parce qu'il doit être derrière, je suppose. Est-ce qu'on voit quelque chose de là? Non. Se cacher dans les cailloux. Là-bas. Alors là, si on avance comme ça, il va pas nous voir. Dans les cailloux. Mais on ne le voit pas non plus. Chut, 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 chut. Fais pas de bruit comme ça. Là, ça va être bon. Faites pas de bruit. Il est bon, hein. Ah, là, c'est bon. Oh bah, pas tout à fait, mais bon. Théoriquement, il devrait plus pouvoir aller bien loin. Le tout, ça va être de ne pas le rater maintenant. Il y a du sang là, vous voyez. Il y a du sang. Des traces. Mmh. Il traîne la patte, regardez. On voit très bien qu'il commence à avoir du mal. On continue par là. Oh là, je joue un peu RP hein, quand même. Il doit être là, voilà. Oh, il a mal à sa papatte. C'est bien fait parce qu'a priori les dégâts sont localisés. Hein. Bouge pas. C'est un peu loin là. Hein. Non? On va essayer d'avoir mieux. Oh, mais il est immortel ce bestiau ou quoi là? Là, j'ai mis une balle en plein cœur. J'entends un bruit. Par où il est passé? Par là. Il est costaud, il est costaud. Je l'entends courir encore. Alors je parle pas trop là parce qu'en fait j'essaye d'écouter les bruits. Les bruits environnants. Oh non, t'es encore vivant. Ouais ouais. On dirait ben. Où il est? Faudrait pas le perdre, hein, ce sera ennuyeux. Il est allé par là? Il a une flèche dans la cuisse, une flèche dans la poitrine, il arrive à sauter ça? Vraiment? C'est clairement pour nous faire aller quelque part. Parce qu'après, il va falloir la ramener la viande. Hein? Mais oui. Oh oh. Voilà, c'était clairement pour nous amener là. Il y a quand même beaucoup de sang. Où es-tu? J'espère que t'es tout seul. C'est quoi cet endroit? C'est l'usine. Les traces s'arrêtent là? Non, on va continuer par là. Bon, déjà, est-ce qu'on voit des choses avec... Est-ce qu'on voit des choses avec notre oreille? Non. Oh, super. Ben oui. Tout va bien. Cet endroit n'est pas glauque du tout. Non. Ça va aller, t'inquiète pas. J'en profitais pour fouiller un peu. Hein. On va pas perdre les bonnes habitudes. Génial. T'es contente? Tu continues ta collection? Tu vas pas consulter la BD, ça va pas nous servir à grand chose. Toujours rien. Pas de survivants. Pas de zombies non plus, a priori. Ah bah voilà. Ce qui devait arriver est arrivé. Alors attention, parce que...
Je sens bien le coup, on attire notre attention sur la bidoche, hein, parce qu'on est pas trop tard. On est affamé, et puis en fait, crac. Et là où il a reçu les flèches, franchement. Qui est là? Montrez-vous! Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants, et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Il y a une tête sympa, si l'autre suivre, un peu moins. Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Go. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. T'inquiète. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Dans ce genre de conditions, les fusils et autres armes doivent pas être les choses qui manquent le plus, vu que la population a fortement réduit. Je dis ça comme ça. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Pas récupérer les flèches. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles? Pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Oh, oh, ça sent le claqueur. Montez à l'étage, montez. C'est un peu tard. Vous aviez une autre arme? Désolé. Et désolé pour vos oreilles, les amis. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère. Montez que tu sais sur le toit. Moi, c'est ce que je ferais. Je me suis un peu entraîné. On doit absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'ils ne le trouvent pas. Défends les fenêtres. Ok. Et je repère un peu. On va passer de tous côtés. Par là, je vois rien. C'est par là. C'est par là. Le problème, c'est qu'on va vite être à court de mine. Et oui, c'était logique. On va vite être à court de mine. Surtout si je rate. Ah merde, pardon. Dans les yeux, y'a que ça devrait, t'as raison. Tu plaisantais pas? Non. T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Par où ça arrive? Qu'est-ce que c'est? Salut Tigre. Ouh bonne année. Pousse-toi. Pousse-toi.
claqueur, claqueur à signaler. Voilà. Ça c'est fait. On n'a pas... Ah mais il lâche des munes, ça c'est plutôt cool. Oh la vache. Oh. La 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 la. Oh, oh là là, danger. Tiens, dans le fusil. Bah là, je suis mort là. Non. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Bah là, je suis mort. Non, il y a un problème avec les munes, clairement. Non, non, pas arnaque, la Master System, cool. Bon, on l'a essayé sur place, j'ai pas eu le temps de la réessayer là. Non, 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 ouais, 31 jeux et pas et des bons en plus. Enfin, il y avait entre, il y a de la merde, évidemment. Mais il y a des bons. Il y en a plein qui nous arrivent dessus. Mais j'ai plus de mine du tout. Mais ça va pas être possible, ça. Comment je vais faire? Mais, j'ai plus de mine. J'ai plus de mine. C'est la fin des haricots. Bon, alors, attendez, comment... Mais c'est tout ce que j'ai ou j'ai autre chose, là? Non, j'ai que ça, j'ai que 5 balles, mais attendez, c'est pas possible. Je laisse se battre, qu'est-ce que vous en pensez? Mais l'autre n'était pas censé s'arrêter là, quoi, c'est ça le truc. De ouf. Est-ce que j'ai même pas de vie, j'ai rien. Vite, vite, ramasse. Oh non. Oh, ça va me saouler, ça. Ça va me saouler. Ça va me saouler. J'annonce. Ah non, ça, c'est vraiment le genre de truc que j'aime pas. On peut pas changer de level, là, au milieu? Pour mettre en nul. Occupe-toi-en. Vite, vite, mule. Pousse-toi! Un, deux, trois, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver! Tu vas y arriver! Putain, non! Rien par ici. Non. Il n'y a pas un endroit où on peut se bouger là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un kit de vis, c'est pas mal. Il y en a plein qui nous arrivent dessus. Ouais, je les vois. Apprends à viser. Oh punaise. Mais pourquoi il me prend plus mon flingue, merde? Pardon. Ah mais ça va m'énerver fort ça. Je le sens, on peut pas se quitter. Avec 3 balles quoi, qu'est-ce que tu veux faire avec 3 balles? Recharge pour... Oh bah j'ai plus de balles, faut que je recharge. Laissez-moi le temps de recharger s'il vous plaît. Je suis foutu. Oh mais non, il doit y avoir un autre truc. C'est le moment de me donner un coup de main là. Il y a forcément un autre truc, c'est pas possible. Oh. Web, si tu sais où est le truc, dis-le moi avant que je m'énerve. Rien par ici. Ouais, on peut pas se sauver nulle part. Bah, je me casse moi, carrément. On peut pas là-bas, non. C'est pas grave, là on va mourir. Ça sauve ça ou pas? Non, ça sauve pas. Merde. Évidemment que je le vois. Mais toi, tu sers à rien quoi. J'ai plus que 2 balles. Je voulais que je fasse avec 2 balles. Voilà, j'ai plus de balles, c'est fini, je sais plus quoi faire. Stop. Voilà, on fait stop.
C'est le skill, mais je crois que t'en as pas. Fumier, bah, tu crois, tu commences bien l'année, toi. J'en ai pas, effectivement. Mais là, j'ai plus de balles, de toute façon, donc je suis sûr de mourir. Réfléchissons 3 secondes, mais oui, je suis sûr de mourir. Bon, bah, mourons. Mourons dignement. Merci. Mourons dignement. Mourons dignement. Voilà. Non, ah c'est peut-être dans option. Ah j'avoue. Difficulté. Voilà. Bah, le point de contrôle en cours, c'est là où je recommence à chaque fois. Hein, donc, va-t-il y arriver en mode nul? Vous le saurez. Ah, j'espère que ça ne recommence pas tout le niveau. Si? J'espère que non. Mais là, vous avouerez quand même qu'il y a d'un seul coup une grosse montée, surtout en plus, je suis froid, une grosse montée de niveau. Là. Avec 3 balles, tuer 50 personnes, c'est-à-dire qu'il faut faire du one-shot à chaque fois et on tue la moitié au couteau, en fait. C'était ça l'astuce, peut-être. Mais au couteau, à chaque fois, on morfle, donc on peut reprendre une vie, mais on n'a pas beaucoup de tempo entre les deux. Bon, on va essayer en facile, on repassera en normal après. Et puis, c'est tout. On va pas. On doit absolument les empêcher d'entrer. Bien sûr, on va essayer en tout cas. Allez, pousse ça. On peut pas. Okay. Oui. J'en suis où? Mais j'ai cul. Ah bah attendez. Ah bah attendez, dites donc. Il y a un truc qui va pas là. T'as raison de dire que c'est le skill hein, et tu ne l'as pas. Parce que clairement. Ah oh, mais merde! Oh là 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 là, la cata quoi. Bah, ils ont l'air un peu plus lents à monter. J'espère par contre que le niveau facile n'est pas trop facile non plus, mais en même temps c'est le principe d'être facile. Ah ouais, mais non, c'est nul. Parce que. Ouais, là c'est nul. Je peux tout faire au couteau du coup. Je prends, reprends ma vie, tranquille, tout va bien. Tu l'as passé à l'arc? T'es ah ouais, bon. Plus bah, doué okay. Moi avec ce truc. Ok. Donne-moi un coup de main. Pourquoi pas? Le mec, je l'ai passé à l'arc. Allez. En plus, je me suis fait avoir pareillement tout à l'heure, mais. À l'arc. À l'arc. L'autre il roupit, il est en train de se faire attaquer. Oh pardon. Ouais. Allez, on va mettre un minimum à l'arc aussi pour faire genre. C'était pas ça qu'il fallait faire. Ah mais j'ai l'impression d'assister là où je vais. Je dis rien. Hein. Ça dure longtemps encore? Tant pis, on doit quitter cette pièce. Ah bah oui, il serait temps. Hein. J'y crois pas. Bon, dès qu'on est sûr qu'il y a un checkpoint, je repasse en level normal.
Surveille l'escalier, faut que je les bute, c'est ça? Mais non, fallait pas gâcher une poulette. Avec toi. Je pense que par là on peut repasser en. Bah, okay. C'est vrai que le facile est quand même super facile. T'éloigne pas. Pour le coup. Et fais attention. Normal. Oh. Normal. Hey petite, ça va bien? Ça va. Des claques. Sors de là. Bien sûr. Je demande que ça, moi. Il va se faire bouffer. Oh là. C'est le festival, finalement, je vais rester en facile. Hein. Ça c'est con. Oh putain, mais ça me gaffe quoi. Même en facile, j'arrive pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, j'ai toutes mes facultés, hein. Je précise. Hier, j'ai été très sage. C'est vrai qu'il meurt qu'à la tête, hein. Pas que, mais... Donc il y en a qui arrivent. De partout. Bam! T'as tout fait là, putain. Tu es un fou, mon ami. Bon, le copain, on s'en cogne. Hein. Tant pis pour lui. Hein. J'avais qu'à pas me laisser tomber comme une vieille chaussette. Qu'est-ce que c'est ça? On peut descendre là-dedans? Au pire, je descends. Moi. Je vais me planquer, j'attends que ce soit fini. Il y en a un là. J'ai un espèce de couteau. J'espère que ça va faire la même action que... Ouais, enfin, ça va être un peu difficile peut-être. Où ils sont? Ah oui, il vient où il a entendu le bruit. Jusque là, ça me semble logique. Non, il est en dessous. Il y a personne. C'est bon. Vous pensez qu'on peut l'avoir d'en haut? Genre, on l'appelle, on fait du bruit. Pourquoi je peux pas? Je suis plein. Comme ça. Peut-être bien. Donc il leur faut deux flèches. Il leur faut deux flèches. Et pourquoi je ne... Ah ben elle est cassée. Ah ben elle est cassée. Je crois que j'ai pas d'autre choix que de descendre. Hein. Bon bah, on va descendre par là-bas. Là, c'est là où j'étais, on est bien d'accord. Ouais, on n'a pas d'autre choix, faut qu'on descende. Allons, descendons par ici. Bonjour. C'est un mauvais. Très mauvais. Là-bas, il y a une flèche à récupérer.
Hop. Hop. Et là, ça te prie. Hop. Hop. Fallait peut-être pas descendre. Ah si, passer par là. Après, ok. Bah bien, et toi ? Allez, la porte est par là. Pourquoi ça irait pas ? C'était quoi ça ? Presque. On doit aller là-haut. On va se faire... Ah, on peut utiliser cette échelle. On peut rien se faire. Ouh. D'accord. Par où on monte ? Ils sont les claqueurs là ? J'ai les uns là. Ils sont derrière, ici. Si on peut monter là-haut... Ah non, faut faire la courte échelle, je suppose. Non ? Toi, tu me fais la courte échelle ? Non plus ? Venez, soulevez-moi. Oui, mais ça servira à quoi ? Ok, prête. Mm-hmm. Allez. On va peut-être pouvoir l'avoir par en dessus. Ok, dépêche-toi. Et fais attention aux infectés. Je sais. A priori, il y en a un là-bas. On va faire le grand tour volontairement. Alors, est-ce qu'on va être obligé de le buter ? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça vaut le coup ? On est censé aller où après ? Oh, par contre, on va être obligé, oui. Là, comment perdre 3 flèches ? Bien ! Ouais, c'est bon ! Bah, finalement, j'en ai perdu 2, c'est cool. Il lâche à chaque fois des munes, hein. Donc on va peut-être pas s'embêter. On va les prendre. On va essayer de se bricoler si on peut. Un medikit, on peut maintenant ou pas ? Ouais, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Figurez-vous. Oui, allez, on va s'en faire un. Ce sera déjà ça de prix. Et je suis là, regarde. C'est nul. C'est complètement nul, mon ami. Tu savais que t'allais pas l'avoir. Oh, t'es énervé. Oh, t'es en colère. Va faire un peu de bruit, ça va tirer du monde. Je peux pas sauter par-dessus ? Non, je pense pas. Il y en a un autre. Au moins, un autre. Ah, je veux pas dire qu'il y en a qu'un autre. Oh, c'est chou. Ouais, par où il serait l'autre ? Là-bas, ok. Il est en dessous, à l'étage du dessous. Je t'attends. Quand tu veux. Juste mes munes pour rien. On va aller essayer d'aller libérer l'autre là. Et puis après. Okay. Et voilà. Il va s'en occuper. Allez. Attention. J'ai pas de molotov, non. Enfin, j'en avais. Je pouvais en faire une, mais comme je me suis fait un medikit, je ne peux plus. Donc ça servait à rien de débuter en fait. J'ai fait l'œuf. L'œuf. avec la... le claqueur, t'entends pas. Ouais, ils t'entendent pas, mais. Enfin, dans le cadre de tout à l'heure, là où on était envahi, c'était un peu. Ça aurait pas donné grand chose. Enfin, ça a été utile. Là, ça aurait été bien l'arc si j'avais pas perdu toutes mes flèches. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Par cette porte ? Bah oui. Allons-y. Sans des coureurs, ça.
Je reconnais le bruit du coureur. Non, sans blague. Surveille un peu. Ok, grand-père. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, grand-père. Ah, je sens que ça va recommencer. Il y a forcément une sortie. Oui. Je vais peut-être bientôt pouvoir m'en refaire du molotov. Certainement. Oh. Merde. Il est mort. Les avoir affrontés ont perdu. Je cherchais justement ces gars. Oh là là, vous trouvez pas qu'on nous donne beaucoup de stuff là ? Récupère leurs armes. Je vais chercher une sortie. Ne me laisse pas tout seul. Si. Bon, on va voir ce qu'on peut se bricoler. Enfin, ce qu'on a déjà. Parce que du coup, on a deux bombes. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu vois un truc ? C'est un cul-de-sac. Comment il s'y retrouve ? Par là, par là-haut, par là-haut. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, tu veux dire qu'ils arrivent ? Ouais, ils arrivent, effectivement. Je te laisse gérer, hein. Oh, pardon. Bah, faut le tir. Mais quel couillon, quel couillon. Toi, t'en veux aussi un coup? Tu vas pas me mordre, regarde. Mais l'autre, il va crever pas. C'est pas ça. De rien. Vous entendez ? Sur le toit ! Où ? C'est du gâchis. Ça s'appelle. Oh, on va pas gâcher une balle. Là non plus. Là ça pue un peu. Eh oui, c'était un peu tendu, hein. J'avoue, j'ai voulu faire trop le couteau maniaque. Prépare-toi. Oh, ça recommence. C'est un gros changement de rythme là, hein, quand même, hein, on va dire. Quand même. Il a crevé, non? Tu t'en occupes? Oh, mais non, il est même pas capable. Pardon, 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 c'est le stress qui me fait dire des horreurs. Je suis désolé. Je suis mort. Oh. Heureusement que je me suis passé en facile. Prépare-toi. Non. Mais là, quand même. Ça m'ennuie un peu, ce changement super brutal de gameplay. Enfin, pas de gameplay, mais de... On était peinards, on n'avait rien à faire. Là, quand même, des combats comme ça, on n'en a pas eu. Alors, je veux bien que ce soit la fin du jeu. L'équivalent du boss de fin, nanani, nanana. Mais bon, quand même, ça gâche un peu l'histoire en plus, parce que... Bon, on va tenter ce que je voulais faire depuis un moment. Mais il faut attendre... Les claqueurs, les premiers, ils arrivent tous de là. Hein. Il y en a un autre derrière lui. C'est le moment. Ils sont où les autres? Oui, c'est vrai, j'avais oublié.
Là, on les empêche de rentrer déjà. Merde, merde. Non, va-t'en, mais va-t'en. Oh le cul. Alors là, c'est le bol absolu, les amis. Ça s'appelle le bol absolu. Je l'avoue. Oh. Occupe-toi-en, tu vas pouvoir t'en occuper tout seul. C'est mieux là ? On s'en sortira, petite. Mais oui. J'en suis pas si sûr. Moi non plus, mais. Ça va aller. Ils arrivent. Oui, mais attends, je suis pas prêt. J'en ai aucune idée. Allez, t'arrête pas. Oh pardon, partenaire. Où il est, je vois personne là-bas. Oh là là, non. Non, c'est affreux. Ça recommence au début ? Ouais, c'est relou. Comment ça recommence pas au début ici ? Il est où le claqueur ? C'est quoi ça, des pépitos? Ah, il y a de la vie là. J'ai plus de mun, vite. Pas trop ce bruit. C'est un colosse. Quoi? Super costaud. Une jambe en moins. Prends. Qu'est-ce qui devient le... Oh mince, il est pas mort. J'ai... Oh, fumier, c'est lui qui balance ça, c'est vrai. Tiens, mange. On s'en est débarrassé, oui. Oui. Ouais. Je crois qu'on a réussi. On les a tous butés. Tu devrais plutôt être content. J'ai du mal à y croire. Est-ce qu'on peut se refaire un cocktail? Non. Attendez, on va ramasser un peu tout ce qu'on va trouver là parce que je pense qu'il y a des trucs. Je pensais qu'il y avait des trucs. Oui, il y en a. Ça va mieux quand ça se calme. Hein. C'est bon. Cette fois, je crois qu'on a tout. Où est le copain? Il est reparti par là? Ouais. Maman est près de toi? Pas d'infecté. Pas d'infecté. Qu'est-ce que je disais? Ok. On y retourne. Allons voir notre serre. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non. Je crois pas à la chance.
Non, tu vois, je pense que tout arrive pour une bonne raison. Oula. C'est ça. C'est vrai. Général, quand on me dit ça, je m'en vais. Tu vois, dans ces circonstances, ce qui m'arrive souvent, était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Aïe. Tu vois, tout arrive pour une raison. Allez, te fâche pas. C'est pas ta faute. Il est pas chargé. T'es qu'une enfant. Bah si, il est chargé. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser faire. Baisse ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps toi. Dehors. C'est ce qu'on peut te protéger. Non, merci. C'est une bonne idée. On va en profiter. Allez. Je sais pas s'il y a d'autres gros combats bien relous, mais je vais repasser en mode normal quand même pour que dans les zones où il n'y a pas de gros combats relous, on ait quand même un peu de tension. Joël ? T'es tout froid. Oh. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Par contre, j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Et voilà. Désolée. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir. Ça va peut-être rester facile, hein. Oh merde! Ils m'ont suivi. Ben oui, ma cocotte, qu'est-ce que tu croyais? Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. Allez, on va se le commencer à essayer de se le faire en mode normal. Voir si je suis... Maintenant que je suis un peu plus chaud. Oh bah bravo. Ramène ton coup.
Qu'est-ce qui t'attend? Bute-la! Mais David a dit... On s'en va! Bute-la! Ah, c'est moi qui pilote. Bon, bah on changera dès qu'on peut. Il va falloir revenir chercher Jurel, c'est ça le truc? Qui? Aïe! Je voulais sauter par-dessus, mais j'ai pas pu. Pas le cheval, non, pas le cheval! Le cheval. Vite, 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 faut qu'on aille se cacher. Va te cacher. Oh merde. Ah oui, mais tu pleureras plus tard. Non, merde. Elle a dévalé la pente quelque part. Mais je la vois pas. Où sont-ils? Christian, voilà. Est-ce qu'il me reste de la vie? Oui, donc on est bon. On va se faire un cocktail. J'aime bien l'immobilité, ces petits salopards. On va se cacher dans le placard. Donc on peut pas sortir en fait de par là, ok. Est-ce qu'elle s'ouvre cette porte? Oui. Y'a du monde ou y'a personne? Parce que qu'est-ce qu'on fait, Joël? Va bien falloir y retourner, non? En même temps, ils étaient au moins 50, les gars. Donc je pense pas que l'astuce, ce soit de retraverser la zone. Y'a rien là-dedans. Ouais, mec. Y'a des flèches là-bas. Où ils sont? Pourtant, ils font du bruit. Pourquoi je les vois pas? Ok. Elle est ici! Oh! Et l'autre, il s'est... Non, 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 je l'ai... Il s'est pris une flèche, le gars, il a rien. Ça vaut le coup de faire ça, vous croyez? C'est pas du gâchis de balles, ça? Alors, ce qui est curieux quand même, c'est qu'il nous suivait de par ici. Faut que j'arrive à récupérer les... Les flèches là-bas, allez on y va. Non, fallait pas tout de suite. Bien trop planqué un peu qu'on repère. Ok. Écoutez, on va faire le tour par là. Il y en a pas d'autres par là? S'il y en a un là-bas. Qu'on peut peut-être avoir de là d'ailleurs. Oh! J'ai eu très mal. Il a lâché un fusil à pompe, hein. Donc ce qui nous arrangerait assez de le récupérer sans se faire trop maltraiter. Non, je vais garder celui-là pour l'instant. Il reste des balles, non? Ok.
priori, il y a plus grand monde. Enfin, ils doivent être au moins encore 40 parce que... On en a vu 40. Faut qu'on remonte, hein. Je vois que ça, moi. Il va falloir que l'on remonte. On va prendre le fusil à pompe. Non, c'est pas ça. En même temps, avec deux cartouches, on va pas aller loin. Mais bon, si on se fait surprendre, ce sera pratique. Tu t'es arraché la tête, mon pauvre. Est-ce que t'as quelque chose pour moi? Que dalle, c'est pas très gentil. Déjà. Déjà, c'est pas très gentil. Qu'est-ce que c'est? J'aime bien avoir deux kits. Et je préfère ça à la bombasse. Personne par là. Le barbecue, c'est pas le moment. Hein. C'est pas le moment du barbecue. Ouais, personne non plus. Dans les toilettes. Personne. En fait, ça, c'est une zone de repli, mais faut remonter. Oui, je sais que je radote, mais ça paraît bizarre. Bah, dis donc, je t'ai pas vu arriver, toi. Où ils sont? Ah bah, finalement, il y en a par là aussi. Hein. Où il est? Le bâtiment. Bon, je vais où? Je lui fais des petits signaux. Où il est? Où est-ce qu'ils sont? Ouais. Edin. Et deux. Oh, saloperie. Qu'est? Hey, oh. Hey, tu vas bien? Oui, ça va. Où est-ce qu'il est? C'est pas tout. Là-bas. Voilà. Est-ce que je peux me planquer derrière ça, d'après vous? Où il est? Là-bas.
J'ai éclaté un rein. J'aimerais bien aller rechercher quelques flèches. On va essayer d'y retourner. De s'approcher. Allez, on y va. On fait le tour du bâtiment par là-bas. À fond. Ça se trouve, il n'y a plus personne, hein, mais bon. Ah bah si. Ok, j'ai plus de flèches par contre. Il faut que j'aille rechercher. Et c'est là où ça va être tendu. Bon, je vais aller là-bas en courant. On va voir si on se fait tirer dessus. A priori, non. La concentration est à son comble. Ouais, il devrait quand même signaler les checkpoints, hein, je l'ai déjà dit. Mais ce serait bien pratique, comme là j'aimerais bien repasser en mode normal. Mais... j'ai pas envie pour autant de me retaper ce que je viens de faire. Apparemment il n'y a plus personne. Hein. Ok. La flèche, elle est où? Elle est cassée? Ouais, elle est là en deux. Tant pis. Je peux monter là. Donc la suite, ça doit se passer là-haut. Qu'est-ce qu'il me reste comme flèche? Deux flèches. Ça va être un peu léger. Donc pendant ce temps-là, Joël est en train de se faire bouffer tout seul. Après tout, il n'y a qu'à faire gaffe. Faut monter là-haut. Sentier de découverte. Bon, ça devrait faire l'affaire. Tu l'as eu, Ellie. Qu'est-ce qu'elle dit? Surtout, tombe pas à l'eau. Non, elle est froide. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose? Non? Tout va bien? Jusque-là, tout va bien. Par contre, là, ce serait bien un checkpoint. Allez, on se le tente, on le repasse en normal. C'était dans quoi? Option. Jeu. Difficulté normale. Et. Et retour et ok, on va voir. J'espère que ça recommence pas au début, mais c'est pas grave, ça nous fera un peu de. Non, ça va recommencer à peu près dans ce niveau-là, quoi, je pense. Là, le coup où on passe de côté, ça pourrait être un checkpoint. Ou en tout cas, là où on arrive sur le sentier. Quand même, que l'on ne finisse pas en facile. Alors qu'on a fait 90%. Oh, normal! Ah mais tout à l'heure ça m'a bien titillé quand même. Hein. J'avoue que j'étais quelque peu tendu. Allez. Ça arrive. En fait, j'ai l'impression qu'il cherche vraiment tout le niveau et après il stream que certains morceaux. Parce que quand on passe d'une zone à une autre, il n'y a pratiquement pas de chargement. Donc il doit charger quelque part. Pas en RAM, évidemment, il n'y en a pas assez. Je ne sais pas comment il fait. On est où, du coup? On n'est pas là où j'espérais qu'on soit, mais c'est pas grave. En plus, on n'a plus rien. D'accord. Les cadavres, il n'y a pas de cadavres. Bon, on va bien voir. Hein. On va bien voir là, si on se fait buter. Par contre, ouais, j'ai plus de mun, quoi. J'ai plus rien. C'est couillonneau.
Et puis tout a été ramassé. Ah ouais, là c'est un peu ballot. Bon bah en attendant d'avoir mieux, là je vais prendre ma carabine. Parce qu'il n'y a plus les cadavres et donc il n'y a plus rien non plus à ramasser. Bon bah ce sera bon à savoir. Sentier de découverte. Bon, découvrons, découvrons. Tu l'as eu, Ellie. Allez, Ellie, vas-y, ma cocotte. Surtout, tombe pas à l'eau. Tombe pas. Pourquoi oh, veut qu'elle tomberait? Pour moi, c'est quand même. Je persiste. Hein. Là, il y a un truc que je pige pas. Hein. Une certaine incohérence. Je sais pas où elle va là, ce qu'elle va faire, je comprends pas. Dans la situation, dans la vie réelle où elle était tout à l'heure, elle est serrée, elle va pas aller chercher du secours, puisqu'elle va pas en trouver. Donc, enfin, elle va pas en trouver ceux qui sont proches, le village, entre guillemets, le groupe, est hostile, puisque c'est eux qui viennent attaquer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait en s'éloignant? Ça se trouve, entre temps, Joël peut très bien se faire buter, quoi, c'est un peu bizarre. C'est un peu. Bizarre. Où on va tomber sur des gentils? Bonjour, nous sommes les gentils. Peut-être. Ok. Peut-être que c'est ça. On fait le petit rat d'égout. Il y a un autre égout là-bas. J'adore ce bruit de neige. Est-ce qu'on voit mes pas? Ouais, on les voit presque, disons. Avec un peu d'imagination, on les voit. Ça se recouvre super vite, en fait, puisqu'on les voit bien, là. Et hop, après, ils disparaissent. Restons vigilants, toujours. On va aller voir si on voit quelque chose à travers la grille. Pas par là. Et comment je fais pour sortir? Ah bah, devine. Pourquoi je peux prendre ça? Tiens. Bon, on y va. Ah parce que le toyau est bouché peut-être. On va aller voir. C'est bon. Bah non, il a pas rebouché le toyau, alors il est bouché au bout. Eh oui. Passe pas là. Non. C'est bien ça. Donc on pousse le bidule, on lui grimpe dessus. Bon, on y va. Est-ce que je peux là déjà? Non. Bon, on y va. Donc c'est pas le pousser pour tirer, ça me donnait... Ah bah oui, parce que ça retire la... Ça va sûrement me permettre par là de passer maintenant. Enfin, en tout cas, d'être en mesure de pousser les... Voilà, ok. Ok. Je vais aller voir là, si je vois du monde ou quelque chose. On a fait le tour? Non. Voilà le chemin. Mais le chemin tiens pour... Bon, Joël. Donc en fait je fais le tour, c'est ça, je les sème en les attirant par là et après... Je suis pas sûr de piger. On va passer par la maison. Y a pas l'air d'y avoir beaucoup de choses qui remuent. Oh, oh, oh. J'ai rien dit, pardon. Alors, j'ai. Qu'est-ce qu'il me reste exactement? J'ai plus de flèches. Et il me reste 8 balles. Parce que le pistolet, on pourra rien faire avec. J'ai le couteau. Donc, on peut peut-être essayer comme ça.
d'en éliminer un maximum. Je suppose qu'on traverse en passant par la maison. Donc faut trouver où est l'entrée. Elle doit être de l'autre côté, bien entendu. Dès que je peux, je descends en fait. Quelque chose ? Que dalle. Et toi ? Rien non plus. Faut continuer. Ouais, puis je suis pas aussi bon que l'était Joël. Lui va venir par là peut-être. Donc on va se le faire. Je prends un risque. Où sont les autres? Non. Là-bas. Il y en a un là, il doit y en avoir à peu près en face. Ouais, là. Merde, si t'arrives tous les deux en même temps, je suis mal. Putain de merde! Couvre-moi! Mais pourquoi j'arrive pas à le tuer avec 10 coups de couteau? Bon là je m'y suis pris un petit souci. Un petit souci. Bon, la technique de base était pas mauvaise. Faut qu'on l'améliore, on va faire ça. Tant qu'ils nous ont pas vu. Hop. Donc il y en a un qui va arriver là, c'est celui-là qui me pose problème pour éviter d'être pris... Enfin celui-là, non. Pas celui-là, mais c'est entre autres celui-là. Pour éviter d'être pris en sandwich en fait. J'ai vraiment plus de mun au niveau de mes arcs. Hein. Non, je suis à zéro. Merde, baisse la tête. Je suis à zéro. Donc lui devrait continuer par là. Là, la question est de savoir s'il va aller à droite ou à gauche. L'autre il est là-bas, très bien. Pas vrai, où elle est passée? Déployez-vous! Oh merde! Mais pourquoi est-ce que le triangle ne fonctionne pas là? Quelqu'un peut m'expliquer un peu? Ouais. Coucou. Viens mon coco, viens. Saloperie. Calme-toi, faut absolument qu'on récupère des munitions, sinon c'est la fin des haricots. Est-ce qu'ils avaient quelque chose? A priori, non. Hein. Non. Toi non plus, petit fumier de lapin. Allez, dites-moi qu'il y a des mines qui traînent là. Qu'on peut rentrer là-bas, je pense pas. Hein. Faire le tour, on va y aller quand même. J'entends rien. Non, on peut pas. Oh, ça me fait penser à. Ah, comment il s'appelle ce jeu? Où on passe notre vie à courir dans la forêt. Alan Wake.
fais pas trop de bruit, hein, parce que... On pourrait peut-être y aller en bateau. Oh, une motoneige. Est-ce qu'on peut la prendre? Comment je m'échappe d'ici? Prends ton temps, réfléchis. Là, il y a urgence. On dirait que là, il y a un petit trou. On dirait que là, il y a un petit conteneur. Trou plus conteneur. Bon, je suis allé vérifier par acquis de conscience, hein. Si on pouvait par hasard prendre la motoneige, ça aurait été bien cool. Oh oh, on peut rentrer par là. Je vais quand même essayer ça. Ça m'intrigue. Donc on peut... Ah oui, elle est pas aussi forte que Joël. Tempête. Mais on doit pouvoir aussi rentrer par là. Qu'est-ce qu'on fait? On part en haut ou part en bas? À vous de choisir. Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Personne se prononce? Allons, allons. Vous êtes presque un nombre incroyable. 6. 7. 8. Bon, alors je regarde par là ce qui se passe. A priori, il n'y a personne. Je veux pas te piéger ici. Mais non, tu ne le seras pas. Donc, on peut évidemment maintenant aller voir ce qui se passe en bas. On fait la caisse, ça sert à rien. Il n'y a rien. Et il n'y a rien. Où est la sortie? Mais arrête de stresser. Qu'est-ce que t'es tendu? Donc là, sinon, on serait arrivé par là. Par là. Ok. J'aimerais bien, moi, ce sont des flèches. Hein. Si les dieux de Last of Us m'entendent. Qu'il me fasse looter de la fléchoune. On en trouve des trucs. Là on est à 2, là on est à 2, là on va s'en faire une bombe. Un cocktail. C'est fou tout ce qu'on peut se bricoler. Allez par là! On va bientôt entendre ça. Elle est de ce côté du cadre. Je vous assure que je ne l'ai jamais fait. Ils avancent pas, ils ont la trouille, bah tu m'étonnes. Il est par là lui, je pense. Hein. On va se trouver nez à nez avec lui. Coucou copain. Alors là, faudrait pas utiliser de balles. Hein. Mais c'est au cas où. Bizarre. Ils sont restés dehors ou ils sont rentrés? Oh, j'adore ce genre de cheminée en passant. Voilà, c'est dit. Oh oh. Fais chier! Je vais te buter, sale petite garde! Je vais te buter, sale petite garde! T'es pas le premier à dire ça. T'as vu la feinte? Ou tu l'as pas vu? Alors, qui a buté qui? Ouais. Ok.
Il y a un problème quelque part ? Foiré. Ah, vous le dites, il y a un problème. Non, mais alors ? Vous voulez s'attaquer à une pauvre demoiselle, toute seule ? Donc ça m'intrigue là-bas. Hein. Allez, on va voir quand même, tant pis, même si c'est pas notre route. Mais ça m'intrigue parce qu'il y avait un cas là, j'en suis sûr. Il est plus là. Bon, c'est pas grave. Je t'en veux pas, gars. Est-ce qu'il y a des trucs à looter de ce côté-là ? A priori, non. Donc on va se remettre au milieu. Pour pas avoir de vilaine de surprise. Attention, ça devrait pas tarder. Est-ce que quelqu'un peut passer par là ? Non. Où est la sortie ? Oh, c'est toujours bon à prendre, hein. Merci les amis. La porte là, carrément. On n'a pas plus discret ? Non. Bon. Soit. Ah oui, en plus on va tout péter. Alors qu'il y avait des fenêtres ouvertes, hein, on aurait pu passer en toute discrétion. Attends. J'étais en train de lire ton truc. T'en fais pas. Attends, je te réponds dès que la cinématique est passée. Qu'est-ce qu'il découpe ? Oh, je croyais que c'était un corps. Mais c'est un corps ! Mon dieu. C'est Joël. Non. Comment tu te sens ? Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est ? Du cerf ? T'es sûr ? Avec de la viande humaine en accompagnement ? Non. Non, je te le promets, c'est juste. Ouais, bon appétit, ouais, comme tu dis. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami, vous avez tué combien d'hommes ? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix ? C'est ça ? Vous tuez pour survivre. Tuer ou être tout tué. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant ? Vous allez me découper en petits morceaux aussi ? J'aimerais mieux pas. Et pas assez grasse encore. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Les convaincre de quoi ? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. Mmh.
T'es vraiment stupide. On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant? Ellie. Quoi? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt! Comment t'as dit? Hein? En petits morceaux. À demain matin, Ellie. Ah! Zoro est arrivé. Donc ça fait 6 mois qu'il est couché. Nous assistons à la résurrection de Joël. C'est cool. Elle est partie. Oh, faut qu'on se refarcisse la traversée, c'est ça? Oh, bah ça c'est drôlement rigolo, puis on récupère toutes nos armes. Alors, T-Web qui pose comme question si j'ai le DLC. C'est Left Behind le DLC, c'est ça? Alors, je crois, mais j'en sais rien. Pourquoi je crois? Parce que... Donc là c'est la version PS4 Master Raid. Et quand, dans le menu, quand on sélectionne donc ce qu'on veut faire, on nous propose donc de jouer à The Last of Us ou de jouer à DLC, enfin à Left Behind. Le seul truc, c'est qu'en même temps, bon, j'ai pas testé, et ça pourrait très bien être, si on décide de jouer à Left Behind, on clique sur le machin et ça nous propose, ça va directement dans la boutique pour aller le télécharger. Ce qui serait pas impossible. Donc j'en sais rien, j'ai pas testé. Une chose par contre qui est à peu près certaine, c'est que bien, enfin qui est certaine, c'est que je le ferai parce que c'est un bon jeu. On va pas. Enfin bon, je garde mon verdict pour la fin. En tout cas, j'ai envie bien entendu de le faire. Par contre, je ne le ferai pas dans la foulée parce que là, pour moi, alors il y a des gens qui se plaignent que les jeux sont courts, que là 15-20 heures c'est trop court. Moi, ça me va très bien des jeux d'une dizaine d'heures, en fait. Après, je m'ennuie, en fait. Surtout quand les mécaniques de jeu sont tout le temps les mêmes. Il n'y a que l'environnement qui change. Alors, c'est le cas de la plupart des jeux, mais il y a tellement... j'en ai tellement à faire que voilà. Donc, j'ai laissé un peu de temps. Je ne sais pas exactement combien. Puis, on fera le DLC, ouais. C'est sûr, on le fera. On le fera pas non plus dans un an, hein. Mais on va laisser quelques semaines, un mois, peut-être histoire de faire un autre jeu entre deux. Comme je disais, j'ai Mass Effect, le premier que j'aimerais bien, que je vais sûrement faire après. Je l'avais commencé, je l'avais pas fini, et j'aimerais bien savoir pourquoi en fait j'avais arrêté. Je me souviens plus, donc en le refaisant, ça va me permettre peut-être de me dire... Je me souviens en particulier de recherches sur les planètes avec un espèce de rover qui n'est pas la route, ça m'avait saoulé. Là, qui tenait pas la route. Je tournais en rond, quoi. Je comprenais pas, peut-être que j'avais zappé un truc à l'époque. Bon, bref, revenons avec notre chouette Joël. Fais pas d'effort, hein, Joël. Par contre, toi, t'as ton ouïe bionique. Hein. Il est où, lui, au fait? Améliore notre arme de mêlée. Elle en est où, notre arme de mêlée? Parce que là, ça l'améliore que dans le sens où, pour la hache, ça va lui donner plus de... Enfin, là, ça la répare, quoi. Là-bas, on peut pas. Mais qu'il est bête. Où est-ce qu'elle est passée? Mais tais-toi! Sombre idiot! Tu vas nous faire repérer? Il faut que je retrouve où elle est enfermée, en fait. Le truc, c'est ça. Alors, je suis pas sûr que ce soit nécessaire que je marche accroupi comme ça. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai comme arbre de sélectionner? Ça va peut-être pas être le plus utile pour l'instant. Est-ce que j'ai des... Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 9 flèches, on va prendre ça. Le fusil à pompe, ouais, c'est bien. Hop, comme ça, de loin, on se le fait à l'arc. Et de près, boum boum, fusil à pompe. Il nous reste notre surin et un peu... pas très en forme, c'est pas grave. Salut Marius!
Bienvenue. J'espère que t'as pas trop mal à la tête. Ah bah nous on va avoir mal ailleurs que la tête bientôt. Où il est? Où ils sont? Oh la vache. Où est-ce qu'elle est? C'est une blague, rassurez-moi, c'est une blague, hein. Dites-moi où elle est, sinon je vous bute. Là c'est pas grave, je me fais shooter, c'est je voudrais essayer de voir à quelle distance on peut... Enfin quand on est bon. Là je vais mourir. Ah oui ça marche de si loin. C'est cool. Bon, nous sommes presque morts. Donc on a le choix de se laisser mourir, de se soigner et de continuer en ayant perdu volontairement ou presque, en tout cas sans avoir fait vraiment gaffe, une vie. A priori ils vont pas venir jusque là. Est-ce que j'ai de quoi faire péter quelque chose? J'ai plus de vie par contre. Est-ce que je peux fabriquer un medikit? Oui. Et c'est tout ce que je peux fabriquer. Alors, ce qu'on peut faire, je cours jusque là-bas. Ou je prends mon fusil à lunettes. Non, j'ai que 5 balles dedans, ça va pas le faire. Donc on va peut-être épuiser l'arc, mais on morfle à l'arc, oui. Oui, oui. Comment on pourrait faire ça? Attends, t'as un truc. Ah, c'est pas par là qu'on va. C'est très con ce que je fais là. Hein, faut le dire. Il faut le dire. C'était complètement débile. Mais ça va peut-être nous permettre de... C'est mon fusil à lunettes ça ou pas? Oui oui je sais, attends. Ok. On va déblayer un peu le terrain. C'est pas avec ce qui va me rester comme balle qu'on va aller loin, cela dit, mais est-ce qu'on peut passer par là? Bon, une bonne chose, c'est qu'il reste bloqué là-bas. Ok. Je l'ai eu ou pas? Qui c'est qui me tire là? Qui ose me tirer dessus? C'est pas bien. Est-ce que je peux me soigner? Ouais, mais après on va être juste, on va attendre encore de se prendre une cartouche ou deux pour la route. J'ai pas vu l'autre qui me tirait dessus où il était quoi. Là, je vois personne moi. Où es-tu? Quelqu'un? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Merci Gizmogwai pour de t'être abonné. C'est toujours cool d'avoir des petits abonnés. Est-ce que ma super oui? Non, ils sont. Il y en avait sur la droite aussi, hein. On est bien d'accord. Je vois rien, ni personne. D'accord. Ça me paraît étrange qu'il n'y en ait plus qu'un. On se tente la course jusqu'à la voiture là-bas. Allez, c'est parti. Aïe, aïe. Par contre, là, je piche pas. Qui m'a tiré dessus? Parce que lui, celui qui est là, il peut pas me tirer dessus. Il me voit pas. Donc, est-ce que c'est un bug? Ou est-ce qu'il y en a un que je ne vois pas?
va vite être fixé. Je pense que je peux encore supporter une balle. Et après on prend le kit de survie. On va essayer de faire un peu de bruit par là pour voir. Personne vient. Il y a une flèche par contre là. Bon. Déployez-vous. J'ai déclenché un truc. Oh là 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 là. Ouais, venez les amis, j'ai une petite blague pour vous. Vous allez voir, ça va vous plaire. Est-ce qu'ils sont là? Oh merde! Je voulais pas la lancer. Je me suis gouré de boutons, du coup j'en ai plus, c'est ça? Parce que là, j'envoie une bombe, j'en dégomme un paquet quand même, là. Bon, je crois que je vais devoir me soigner, là. Je voulais l'envoyer par-dessus. Bah alors, ça pète ou pas? Oh, c'est bon, on en a eu un ou deux. Oui, sale enfoiré toi-même. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Bon, j'aimerais bien aller en face en fait. On va reprendre le fusil à pompe. Pour nous défendre en cas de problème. On pourrait mettre une fumigène. Elle est où la flèche? Elle est là, je pense que je peux la voir. Et on va faire ça. Et là, on va peut-être avoir une ouverture pour les descendre à l'arc. Peut-être. Bah ouais, elle se fail, ouais. Mais en fait, j'ai appuyé sur la gâchette du bas au lieu de la gâchette du haut, tout simplement. Ce qui m'inquiète, c'est que je pense qu'il y a des mecs derrière moi. Par là. En tout cas, il y en avait tout à l'heure. J'aimerais bien voir dans le camion vite fait. Pourquoi je les vois plus hein? Est-ce qu'il y aurait bien des trucs dans le camion? Non. Bah non. Ils sont là maintenant. Est-ce qu'on peut aller dans la maison? Non. Ouais, il y a... Ah non, là aussi il y a une entrée. Donc il y en a au moins 3 toujours. Hein. Est-ce qu'on peut monter sur le camion? C'est un peu... C'est un mur invisible ça? Ouais. Okay. Enfin, il est... Semi-invisible. Réfléchissons. 3 contre 1, je me fais bananer, c'est sûr. Donc, j'arrive à les éliminer, peut-être en montant sur le bidule là. Eux, ils vont rester derrière leur palissade. C'est un peu chaud ce que je fais parce que j'aurais besoin de me soigner. Oh, une hache. Comment elle a bien allé bien. Voilà, l'idée, ce serait de voir si je peux monter. Si je monte là, je vais me faire gauler direct, non? Peut-être pas. T'arrêtes pas! T'as
trouvé quelque chose ? Oui. Oh merde, il s'est tourné l'imbécile. Tu m'entends ? Voilà. Bonne chose de faite, je pense. On va essayer d'aller les rechercher, mais avant on va voir s'il n'y a rien à looter par là. Non. C'est bon. La maison, je pense pas qu'on puisse y aller. Si. Ça va être là-dedans, là. Ok. Est-ce qu'on peut passer là ? Qu'est-ce que ça va nous donner ? Rien, ça va nous permettre de rentrer par la fenêtre éventuellement. A priori, donc ça va pas être très utile. Je me suis pas beaucoup servi du lance-flamme, c'est dommage. Ça va être cool. Bon, on va se soigner parce que on risque là de. Enfin, il suffit qu'on se prenne un coup de pompe ou un machin comme ça, et on est dead. Donc là, il faudrait qu'on loot de quoi nous en faire un nouveau, par contre. Allez, merde. Toujours pas. C'est juste pour ressortir par là, en fait. Ouais. Coucou, je suis là. Je crois qu'il a un peu. Oh, son tien, connard. Allez, achète-le. Tiens, viens. Hey. Oh, merde. Oh. Salut Kazuya. Lâche-moi. Je vais me péter. Et bienvenue à bord. Aïe. Aïe. Ah, c'est dans ce sens-là. Attends-moi là. Où est-elle? Bon. La fille. Elle est vivante. Quelle fille? Je sais pas de quoi tu parles. Ah là, ça va te faire une petite décharge de darling qui va te faire pour bien. Je t'arrache ton putain de genou. La fille. Elle est vivante. C'est la protégée de David. Où ça? Ah, j'ai mal pour lui. Dans la ville. Dans la ville. Écoute, tu vas l'indiquer sur la carte. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. Vas-y. C'est juste là. Tu peux vérifier. Demande-lui. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je te mens pas. Je te mens pas. Pas de pitié, t'as raison. Va te faire foutre! Il t'a dit ce que tu voulais savoir! Je te dirai que dalle! C'est pas grave. Moi, je crois. Non, attends! Attends! Je crunch. Debout là-dedans. Allez! Lâchez-moi! Ça! Non, arrêtez! Ah, mais elle est infectée, elle va le contaminer. Eh, ce serait une idée, ça! Je t'avais prévenu! Je suis infectée! Je suis infectée!
Vraiment. Et vous aussi. Ben voilà. Allez-y. Relevez ma manche. Mais oui, mais c'est idiot de... Regardez, enfin, ça lui a fait gagner du temps. J'ai joué le jeu. Qu'est-ce que vous disiez? Tout arrive pour une bonne raison, c'est ça? C'est quoi cette merde? Elle se serait transformée? C'est impossible! Ça m'a l'air vachement possible à moi! Attention, on se prépare, ok? Non. Merde. Oh merde. Qu'est-ce qui tombe par où? Je sais juste. Il me faut une arme. Ce serait une bonne idée, en effet. En effet. Ok, je pige. Ferme la porte. Tu peux pas fermer la porte? Merde. C'est juste pour l'empêcher de rentrer avec ça? Mais c'est nul! C'est ça? Ou c'est... je vais aller voir quand même si j'ai pas oublié un truc, hein, par là par exemple. Allez, je peux le faire. Une trousse! Du medikit, c'est bonnard! La suite des événements, c'est par là. J'ai quoi là? Ah, j'ai que le couteau, d'accord, bien. Bah ben oui, forcément. Oh oh, vous l'avez vu? J'ai que le couteau et mes dents. Mais les dents, ça va être un peu long. Je vais peut-être éteindre ma lumière, je serai plus discret, non? Oh putain. Oh la vache. Je crois qu'il y a du monde. Là, va pas falloir se rater. Hein. On va lui prendre son flingue. Viens là, mon coco. Voilà. On a... Par chance, par bonheur, nous avons de quoi tirer un coup. Oui, ok. Il voyait pas... J'ai pas moyen de faire un petit bruit là. Et t'étais pas en train d'apprendre à siffler, c'est le moment. Ce serait bien si on pouvait de là... Mais bouge! Bécassine! Il y a des émunes là-bas, donc ça c'est bon à savoir. Je vais regarder de ce côté. C'est ça. Va voir de ce côté! Il est où l'autre? Bon, faut que je me dépêche. Où est-ce que t'es? Là. Je suis là! Faut que j'aille rechercher les mines de l'autre côté. Y va. Vous croyez qu'il va m'entendre si je fais ça? Je vais descendre. Mais pourquoi j'ai pas pu la buter là? Mais vous... non mais. Non mais pourquoi j'ai pas pu? Pourquoi? C'est très curieux. Où ils sont? Donc là il doit y avoir trois... Bref, trois... 3 balles, j'y arrivais. Merci mec.
Bon, on va prendre la bouteille. On va faire du bruit pour voir. Elle est où la bouteille? Elle est là. Faire du bruit par exemple par là. Y'a plus personne au bout? Ou bien? Peut-être qu'il y a plus personne. Qu'est-ce que c'est que ces cloches qui sonnent? Cool. C'est rien d'intéressant. Une brique, on va se la prendre quand même, ça pourrait être utile plus tard. Et là on est... Oh, je croyais que c'était qu'il y avait une carabine posée là. Quand t'es dans le blizzard. Mais on n'y voit rien. Okay. Toujours personne ? Everywhere. Tu me vois pas, copain, là. Tu me vois pas. Cherche pas, tu me vois pas. Alors, qu'est-ce qu'il va... Il est tout seul. Ils sont partout. Pourquoi t'as dit ils sont partout? Alors qu'a priori, il y en a qu'un. Un gentil petit monsieur que l'on va égorger. Avec un plaisir intense. Tuer ou être tué. Il y en a un autre là-bas, non? Non. Où êtes-vous? Joël, t'es par là? Je suis perdu. Ça doit être par là qu'il faut aller, hein. Oui. Par contre, on n'a pas fouillé la baraque, là. Je la vois. Hey, c'est qui? Mais Emile est en train de m'étrangler, le con. Là, je suis mal. J'ai plus beaucoup de vie. Comment je vais faire? Est-ce que je peux me refaire une vie? Non, je ne peux pas. Bon, je vais looter dans la maison en espérant qu'il y ait de la vie. Sinon, c'est la fin des haricots. Mais si j'en ai une vie, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Bon, en même temps, on reste au milieu de... ici. Non, a priori, on peut pas, là. Il y a rien. Je suis paumé, en fait. Je viens de ma droite, hein. Je crois que je viens de la droite. Et on pouvait monter là-haut. Ok, ben on va y retourner. Qu'est-ce que ça... Là, ça doit finir par un cul-de-sac. Et ça revient au même endroit qu'ici, en fait. On peut monter par en bas, là? Ouais, on va passer par l'ouverture. Quelqu'un, où êtes-vous, les amis?
Moi je suis redescendu. Comme ça. Donc on va monter. Donc on sera arrivé par là. Ok. Bah non, bah ça donne rien en fait. Dans la cabane au Canada. C'est tout. Mais c'est la tristesse. Là-bas, il y a un type, non ? Ouais, il y a un type là-bas. Je suis là ! Ose te retourner, je te rien. Il a looté, il a acheté quelque chose, lui. Bon, désolé. Oh là là, oh là là. Mais ils s'en vont, ils ont peur. Vous avez raison. Ça doit pas être terrible sur le stream avec ce blizzard. On se croirait dans un labyrinthe. Oui. Je me suis fait la même remarque aussi. Ouais, ça doit être bien bouillasse. À la limite, mettez en votre écran plus petit, c'est peut-être plus lisible. J'y vois code. Je sais, on va faire ça. On va faire du bruit par là. Personne réagit. Je pense que c'est sur la gauche qu'il faut aller. Ouais. Vous voyez là-bas ? Je dis juste que ça peut devenir un problème. Bien sûr. On a déjà un problème sur les bras et on va le régler. Allez, on se concentre, faut la trouver. Elle est là. Il est où ton pote ? Oh, il est là. Voilà, voilà. Bon débarras. Petit billard. C'est une impression que j'ai entendu comme quelqu'un respirer lourdement. Et oui, n'oublions pas que celui que j'ai mordu, c'est un infecté maintenant. Ok. Joël, viens à mon secours. Je suis là. Coucou. Oh oh, il y en a un autre là par contre. Je pense pas qu'il nous voit le deuxième. Par contre, il nous a vu. Ouais, c'est pas... J'aimerais bien que tu te retournes, ma cocotte. Voilà. Viens! Ça m'embête de gâcher de la mune. Viens.
Ok. Il est là-bas, l'autre toujours, ou il a bougé? Ah, il est toujours là-bas. Hello, is it me you're looking for? Ça c'est très con, hein, ce qui va t'arriver. Eh oui, fallait t'y attendre mon gars. Toujours surveiller ses arrières. Je pense qu'il faut continuer par là, non? Qu'est-ce qui caille? Ouais, au vrai, c'est un peu plus grave quand même, hein. Sur la droite, là, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Il y en a un autre là-bas, vous le voyez? Ils sont où? Là-bas, tout droit. On va passer par la maison. Je crois que j'ai fait le tour. Il y en avait un par là, je suis pas fou. J'ai rêvé ou pas? Donc j'ai fait le tour, très bien. Sans m'en rendre compte, ce qui est assez génialissime. Non, ça devait être la bouche d'incendie que j'ai pris pour fausse alerte. Eh oui, je suis parti du mauvais côté là-bas, fallait continuer tout droit, ok. Mais on peut au moins? Ouais, pas. Personne. Ok. La suite des événements se déroule là. Oula. Oulala, oulala. Oula, oula. Ben on va y aller au plus près. Hein. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y avait là au fait? Ça donnait là. Attendez, on va aller voir. Je sais, je fais du bruit. Salut Mousse. Bienvenue à toi dans ce moment où nous devons tuer une armée avec un couteau. Oh là là, mais ça fait deux medikits là? Hein? C'est pas bon signe. Pourtant, je vois pas grand monde pour l'instant. Est-ce qu'on peut les manger? J'ai faim d'ailleurs. C'est grave ça. Moi, je pense qu'on va tomber sur l'autre que j'ai mordu et qui va être infecté. Et voilà. Et voilà. C'est nouveau, ces espèces d'assiettes qu'on casse et qui font du bruit. C'est pas innocent non plus. Merci pour l'abonnement, Mousse. Plus on est de fous, plus on rit.
J'ai pas vu de sortie. J'ai mal cherché, il y avait une fenêtre ouverte. Bon, a priori, il y a personne dans le bâtiment. Par où est-ce... Elle est où la porte? C'est bien ça, ok. Oh. J'ai rien pu faire, bien entendu. Ne m'en voulez pas. Et là, il va se transformer devant nous, je le sens. On se calme. T'ira nulle part. Pour sortir, il va te falloir ses clés. C'est comme il feu là. Attention au truc par terre. Aïe aïe aïe. Bien tenté petite. Tout va bien se passer. Oh non, pas ça, pas la machette s'il vous plaît. Monsieur. Tu sais, tu me surprends sans... Mais pourquoi là encore j'ai pas vu par exemple? Pourquoi? Bon là j'ai en train de me barrer je crois. Cours! Mais oui! Fallait courir! Hein? Il y a quand même cette espèce de petit truc là qui va pas. Hein. Un gameplay parfait sauf que là. Regarde là je peux rien faire. Tu vois? Normalement je devrais avoir le truc pour le couteau. Alors oui je peux me redresser, le faire à toute vitesse. Alors, on va se barrer de l'autre côté à fond. Tu me surprends sans cesse. Salut, Ellie. Mais encore une fois, je l'ai raté, quoi. Mais c'est pas vrai. Là, je devrais pouvoir le prendre. Mais pourquoi, encore une fois, je peux pas? Ouh! Ouais, c'est. Non, c'est pas dur, c'est que je m'y prends mal. Comme dirait T-Web, j'ai pas de skill, c'est normal. Je te vois! Est-ce que j'ai encore mon flingue? Non, j'ai plus que le couteau, d'accord. Bah, ça va être amusant quand même, cela dit. Oh! Bah, celui-là, je l'ai pas vu arriver. Hein. Allez, 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 on se concentre. Déjà, on s'en va. Première chose à faire, on s'en va. Tu sais, tu me surprends sans cesse. Quoi? Oh non, tu m'as pas eu. C'est ça ce qu'il faut. Et attention aux assiettes. En fait, ça marche que si je l'ai bien de dos, en fait. Hein. Cours, petit lapin. Je cours, je cours. Et toi? Combien il va lui en falloir de coups? Ben ouais, ça fait mal. Pourquoi j'avais ça, là? Où il est? Oh, le fumier s'est caché. Il va m'attraper, maman, j'ai peur. Où il est? Ah, il est là. Ok. Il est là. Et par là. Non, les assiettes. Pas les assiettes, pas les assiettes. Il va rester par là-bas un moment. Faut à tout prix qu'on évite les assiettes. Si on évite les assiettes, il regarde de l'autre côté, on peut se le faire. Oh oh. C'est sympa cette, ce,
cette petite phase, on pourrait, j'ai en train de penser, en faire un espèce de jeu multijoueur. En fait, on est tous enfermés dans une pièce, comme ça on n'a qu'un couteau. Et ben, c'est le dernier qui a gagné. Il y a un FPS là, je sais plus comment ça s'appelle, Escape from quelque chose là, qui est en préparation. J'ai vu des quelques vidéos de gameplay, ça a l'air assez waouh. Bon, évidemment, c'est pas fait pour moi. Because I get no skill. Il y a une infectée qui se travaille en ville et on garde tout à sortir. Eh, la gamine est dangereuse. Super. Alors, c'est pas lui que je visais, mais bon, on va pas faire le... On va pas faire le gars qui... Oh, crotte. Ceux qui l'ont fait, T-Web en particulier, tu confirmes que c'est la fin, là. Hein. Ça vaut pas le coup que j'arrête pour faire un autre... enregistrement. Oh, merde. Putain, merde. Oh merde, putain, merde. Je l'avais pas vu du tout, lui. Bon, fais le tour. Alors lui, il est nul. Plus que moi, en tout cas. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui m'arrive derrière. Alors, voyons. Encore une petite heure. Alors, attendez, quelle heure il est, les amis? 7 heures. Bon, on va essayer de continuer. D'aller jusqu'au bout. Faudrait pas trop que je me rate, donc. Une petite heure. Si c'est une petite heure, c'est acceptable. Sinon, je dormirai sur le canapé cette nuit. Donc il y en a deux là. A priori, j'en vois pas d'autres. Je peux passer nulle part par là, non. J'ai des trucs à faire? Non, rien. Est-ce qu'on le voit en direct de là? Oui. Quoi? Ils n'ont pas bougé. C'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai pas pris trop cher, en fait. Enfin, ils ont pas bougé, pour autant ils sont plus là. Si, il est toujours là. Merde. Bon, celui-là, c'est bon. Il est derrière... comment je vais faire?
Il y a une entrée là ou pas? Bon, on va voir. Oh, il fait chier là, je suis coincé. Bon, là j'ai fait un peu le bourrin. T'es pas mort quoi, mais comment cela est possible? Là-bas. C'était rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui traîne? J'ai rien. Ah oui, j'ai ça, mais je l'adore. Mais il fait un peu de bruit, quoi. Hein. Et j'ai plus trop de mine. D'accord. Ce serait bien de retrouver... de la fléchoune. On peut rentrer là-dedans? Non. Peut-être que je peux en récupérer une des deux. Ouais. Vous le voyez ? Eh bien, vous le voyez plus. C'est la magie ! Donc c'est par là. T'as même pas une petite flèche à me donner, camarade. Si, super. Eh bien, fais-toi un bon petit chocolat, mousse. C'est un chocolat à 7h. La soirée a dû être dure hier, non ? T'as raison. Il faut en profiter. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Mais il joue tout seul ? Oh oh. Ça se fait pas de fouiller. Non, moi je ne fouille pas. Moi. Comment ça se fait que les affaires d'Eli sont là? Oh oh. Bonjour, c'est les réserves ça, non? Oh bordel. Bonjour monsieur. Il faut que je la trouve. Oui, ce serait bien. Le DLC, il dure combien de temps à peu près? Ça doit durer la moitié du jeu d'origine, je pense, un truc comme ça. Dizaine d'heures, quoi. À ce qui paraît, il est très bien aussi. Putain. Allez, là-bas, faut la sauver des flammes. Ah bah oui, il est pas mort, il meurt pas en fait. Vu qu'il est infecté. Donc Ellie, il va falloir qu'il fasse un truc là. Par exemple, oui. Allez. Oh là, il va nous tomber dessus, je le sais. Il ne peut se passer que ça. Juste au dernier moment. Mais je suis prêt. Je ne vais pas hurler. Dis donc. Tu te bouges. Oh. Je savais que t'avais du cœur. C'est pas grave d'abandonner. Y a pas de honte à ça.
Je n'abandonne jamais. Oui. Est-il d'être aussi grossière ? Tu peux me supplier. Bonjour à toi, Bessie. Tu penses me connaître ? Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. Allez ! Arrête ! Chut ! Ça va. C'est moi. Regarde. C'est moi. Il a essayé de... Ça va. Tant. À peu près 2h, 2h30 le DLC, ah bon ? Ah bon, je le ferai peut-être dans la foulée alors. Quelques semaines ont passé. Tu rêves, Ellie ? Ellie ! Tu m'as entendu ? Non. Quoi ? Regarde, c'est l'hôpital. On est enfin arrivé. Allez, on y va. On est arrivé. Tu sens cette brise ? Eh ben, tu vois, par un jour comme ça, je me serais assis sous mon porche et j'aurais joué de la guitare. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Ellie ? Ellie, je te parle ? Non ? Ah ! Ouais, carrément, ça a l'air cool. Ok, super. Bah écoute, je reproposerai des trucs, hein. Pourquoi celui-là, il est ouvert ? Merde. Qu'est-ce que j'ai ? Je garde ma hache, elle me plaît bien. Si on nous donne des pièces et tout ça et tout ça... Une photo de famille. Non, mais je regarde pas. C'est un peu tristoun. J'ai rêvé que je volais une fois. Ah ouais ? Ouais. Vas-y, raconte-moi. Voilà, j'étais dans un avion rempli de gens. Et tout le monde criait et hurlait parce que l'avion allait s'écraser. Alors, je suis allée dans le cockpit, j'ai ouvert la porte, mais il n'y avait pas de pilote. J'ai essayé de prendre les commandes, mais... Évidemment, je sais pas piloter un avion. Eh oui. Et juste avant qu'on s'écrase, je me suis réveillée. Ok. Je suis jamais montée dans un avion. C'est bizarre, non ? Pas tant que ça. Ah, tu sais, les rêves, c'est bizarre. Vu les circonstances... Allez, on y va. Elle court si je cours ou pas ? Non, bon d'accord, donc on est obligé d'y aller. Mollo. Bon, vous savez ce que j'ai envie de faire en fait. Là, je suis en train de réfléchir. Il doit rester une petite heure, c'est ça en gros. Ça m'embête de le bâcler la fin, entre guillemets. Donc là, comme on vient de commencer un nouveau niveau, eh ben, ce que je vous propose, sauf réaction contraire dans les quelques secondes qui viennent, qui vont me dire non, il reste un quart d'heure, 20 minutes maxi, sinon on va le faire demain. Voilà, j'en ai à peu près pour 1h15 au DT Web, là environ. Donc on va le faire demain. Demain, on se donne rendez-vous vers 4h30-5h et eh bien, on fera la fin. Donc je ne peux pas vous dire exactement à quelle heure, comme d'hab. Hein. Si vous voulez
en savoir plus. Non, maintenant, je peux pas parce que j'ai aussi une vie. Ah, donc, je pourrais là maintenant, mais ce serait un peu. Je serais obligé de. Comment dire? De le faire vite fait et ça m'embêterait un petit peu. Alors, attendez, parce que j'ai cherché un truc que je voulais. Demain, donc, sauf cas contraire, je serai là vers. Allez, on se dit 5 heures demain pour faire la fin. Je vous balance le Twitter de la chaîne si je le mettrai un quart d'heure avant à peu près pour confirmer ou pas. Et attendez, je vois, j'ai perdu tous mes trucs moi. Hop, 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 j'ai trop de choses sur l'écran. Hop, c'est celui-là. Ok. Donc on se dit à demain. Et si c'est pas demain, ce sera mardi. Mais dans tous les cas, a priori, ce sera demain. Donc vers 5 heures demain. Ciao à tous, merci. Ouais, mais c'est dommage. Mais encore une fois, c'est dommage. Ce serait dommage aussi de finir le jeu. Enfin, faut prendre son temps, quoi, pour bien vivre le truc. Et là, je serai obligé de speeder un peu, ça m'embête. Donc, voilà. Finissons-le dans les bonnes conditions, ça fera une petite séance d'une heure 15. Et après, on commencera autre chose. Alors, peut-être pas directement demain, je sais pas. On verra en fonction... Donc, moi, j'ai prévu de faire Mass Effect, le premier du nom, sur PC. J'ai déjà chargé quelques mods pour que ce soit un peu plus pratique, un peu plus beau. Est-ce que je vais le faire en live, si ça vous intéresse? Oui. Sinon, eh ben, on fera une pause dans les lives et on fera des lives d'autres choses plus tard. Voilà. Donc, encore une fois, bonne soirée. Cuvez bien pour ceux qui ont besoin de cuver. Soignez bien votre estomac, votre foie, vos intestins. Et je vous dis à demain. Ciao, merci à tous. Oui, en live, Mousse. Bon, ok, on fera ça. Par contre, ce sera en live, mais des lives, moi, en fait, j'enregistre en même temps. Là, non. Mais le Mass Effect, je l'enregistrerai en même temps pour faire des épisodes bien propres et compagnie de Let's Play. Donc, ce sera en live, mais on enregistrera plusieurs épisodes au cours des lives. Donc, on fera des espèces de mini-pauses le temps que je coupe les enregistrements et compagnie. Allez, cette fois, c'est la bonne. À demain. Ciao.